position. Et voilà le dernier, en tout cas le premier, mais le dernier de la finale de la barre fixe et de cette retransmission. Yann Kuchera, France, comme l'on dit dans les grands tournois internationaux, à la barre fixe, à la conquête d'un titre qui est désormais la propriété de celui qui a été l'une des révélations, Johan Renn. Mais attention, Kuchera nous l'a promis. Voici le premier Kovacs. Salto au-dessus de la barre. Et il n'en fait qu'un. Oui, il nous l'a dit tout à l'heure. Oui, voilà, là, alors là, grosse erreur, relâchement. Qui lui est, alors là, fatal. C'est clair, ça c'est irrécupérable. Ici, le bras est fléchi. Il n'est pas sur son appui et il dégage son Stolberg un petit peu tôt. Alors Michel Boutard, ses finales des championnats de France par appareil nous auront révélé que les deux tenants du titre, Ludivine Furnon chez les dames et Yann Kuchera chez les hommes, n'ont pu décrocher une médaille d'or et oui, à la barre fixée et oui, au sol. Ils ont tout donné au concours général et peut-être un petit peu de fatigue aujourd'hui. Ce ne sont effectivement que des humains et c'est déjà beaucoup. Alors reprise d'élan. Changement. Dislocation, grand tour dorsal. Attention, on se prépare pour la sortie. Accélération et double arrière tendu avec une pirouette et une roulade avant. Voilà, en tout cas, Yann Kuchera a tenté le coup et à la barre fixe, c'est un, j'allais dire, un exercice de témérité. C'est donc sur ces images de Yann Kuchera qui a échoué